Voilà, donc on voulait aussi t'écouter parce que je pense que tu as aussi pas mal de choses à nous dire. Et voilà, donc ça va? Oui, c'est bon. Dieu est bon? Dieu est bon, amen. Voilà, gloire à Dieu. Oui, donc je rends gloire à Dieu que je puisse témoigner aujourd'hui. Vu que ça fait longtemps que je disais au Seigneur, vraiment, ça fait longtemps que j'ai à cœur, je me dis vraiment, j'aimerais témoigner en fait par rapport à ma délivrance. Et c'est vrai que Dieu m'a sorti de loin. Parce que tu as suivi une grosse délivrance. Dieu m'a Hein. fait comprendre beaucoup de choses aussi Amen. pour que je puisse grandir. J'ai pas fini, je suis qu'au début. Et déjà, c'est vrai que Dieu m'a touchée quand j'avais 16 ans. Et pour moi, c'était l'impudicité, les boîtes de À nuit, 16 ans déjà, tu avais commencé. à 16 ans. Waouh. Et c'est vrai que parce que j'ai pas connu l'amour d'un père, en fait. Et à cause de ça, j'ai vu que mon père, j'avais rarement des nouvelles. C'était, voilà, rarement des nouvelles. Du coup, j'ai cherché l'amour, justement, ailleurs. Donc j'allais dans les boîtes de nuit, les petits copains, tout ça. Et beaucoup dans les injures, beaucoup, beaucoup hypocrites, beaucoup hypocrites. Et jusqu'au jour où je voulais même aller jusqu'au suicide, en fait. Et parce que j'avais beaucoup de pensées de suicide, j'avais beaucoup de problèmes dans ma famille. J'avais perdu la confiance de ma mère, de mes parents. Et je ne respectais pas du tout ma mère. Et parce que dans son dos, voilà quoi, je parlais vraiment, vraiment mal. Et du coup, le Seigneur, en fait, je prenais beaucoup de médicaments aussi. Beaucoup de médicaments. Pourquoi? Pourquoi tu prenais tous ces médicaments? C'était pour quoi? Pour te suicider? Pour... Ah bah c'est bon. Oui, parce que j'avais vraiment. Je me disais, il n'y a plus rien qui me retient dans ce monde à cause des problèmes qu'il y avait dans ma famille. D'accord. Du coup, et comme j'étais avec. J'étais dans le copinage aussi. Et quand je voyais plus cette personne-là, et ben, je me sentais mal en fait. Je me disais, j'ai plus cet amour, ça y est. D'accord. Ce que je recherchais, je l'ai plus. Donc je prenais les médicaments, j'écoutais les musiques du monde, le zouk, je pleurais encore plus. J'étais vraiment mal. Et du coup. Un jour, le Seigneur en fait a permis ma sœur qui, elle avait une amie dans son école et elle a invité dans son assemblée Charisma et donc sur Paris et du coup on a été et j'ai beaucoup été touchée de voir comment les gens chantaient vraiment on dirait c'était de tout leur cœur. J'étais touchée vraiment par la louange et après du coup à la fin j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je suis ressortie vraiment légère, complètement transformée. Je me suis dit, ah Seigneur, j'ai envie de crier partout, Jésus, Jésus, et tout ça. Et du coup, au début, il y avait beaucoup le zèle, beaucoup l'amour pour Dieu, beaucoup, beaucoup. Et sauf qu'à un moment, je ne lisais plus la Bible. Je disais, oh Seigneur, c'est bizarre, quand je vais à Charisma, je sens plus ce que je ressentais au début, les frissons. Si je suis si je suis un dimanche dans le culte à Charisma et que je sens, j'ai pas des frissons, il y a un problème. C'est que Dieu. Je le sens plus, peut-être je suis en train de mourir spirituellement. Et du coup, comme la sœur disait, en fait, je voyais que les enseignements, c'était souvent la même chose. Enfin, c'est même pas un enseignement, parce que c'est la surface, en fait. Au début, je voyais qu'il parlait de la souffrance, je voyais que c'était biblique. Il parlait des choses de souffrance, mais à côté, on sentait vraiment que les richesses a commencé à venir. Je pense que c'était déjà là depuis longtemps. L'évangile de la prospérité, tout ça, Voilà. le bien-être sur terre, tout ça. Voilà. Et mélanger en fait avec des choses qui étaient vraies par rapport à la souffrance. Mais après, on voyait qu'il disait oui si donc le pasteur Pedro et il disait oui si vous donnez pas vous voulez venir me voir et enfin il critiquait ceux qui donnaient pas la dîme en fait. D'accord. Et moi j'étais dans un département, c'était enfin tellement que l'assemblée est grande, il y avait plusieurs services on va dire. Et moi j'étais à l'accueil, enfin à l'accueil. On distribuait des ballons pour les anniversaires au début de chaque culte. Et du coup, souvent la responsable, elle nous disait, oui, avant que le culte commence, on se rejoignait, on gonflait les ballons, tout ça, on priait ensemble. Et elle disait, oui, les filles, il faut que vous vous habillez bien, parce que vous êtes des princesses de l'Éternel. Et souvent, moi, j'étais beaucoup dans le maquillage aussi, beaucoup, voilà, beaucoup dans le m'as-tu vu. Mais je me disais quand même, il y avait des fois, j'avais vraiment la flemme de m'habiller, j'avais envie d'aller en jogging, puis c'est tout. Et je disais, mais si par exemple, on n'a pas les moyens, je suis partie voir la responsable, je dis, si on n'a pas les moyens d'avoir ce que le maquillage, tout ça, vraiment, et ben comment on fait alors? Et
elle nous disait, bah, tu demandes à Dieu et puis bah, Dieu va pourvoir parce que Dieu, c'est ton papa et puis il va te donner les vêtements, il va pourvoir à tes besoins par l'argent. Tout ça, c'était dans le but de séduire, bien sûr. Hein, comme, pour voilà, séduire. Voilà, effectivement, les gens qui arrivaient, le nouveau qui arrivait, voilà. Voilà. Et elle disait des choses, par exemple, elle disait, oui, il faut que vous tapez à l'œil parce que dès que les païens ils rentrent, avant d'être convertis, ils vont d'abord voir en fait l'assemblée commencer. Et je trouvais que c'était bizarre. Je dis, mais c'est bizarre ça. C'est Dieu qui nous touche notre cœur. Et voilà. Et elle disait vraiment d'abord, c'est l'assemblée qu'on voit. Et c'est vrai que moi, au début, j'ai été impressionnée par l'assemblée, comment c'était grand. Mmh. Et ce qui m'a touchée, c'était surtout le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui adoraient Dieu. Je dis, ah, ça existe. Quand j'étais petite, en fait, je voyais beaucoup que j'étais différente des autres. Et j'allais dans une petite assemblée, c'était dans le sud, et à Fréjus. Et c'est vrai que tout le temps, quand il y avait la louange, je pleurais. J'avais envie de me rapprocher du Seigneur, mais avec le monde qui était là, je me disais, je suis différente et ça ne me plaît pas, je vais être comme les autres. Mmh. Et du coup, quand je suis venue au Seigneur, à Charisma, tout ça, et ben après, j'ai failli retomber en fait, dans l'impudicité, parce que moi, en fait, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais dans l'impudicité. Et je me souviens, un jour au culte, Dieu avait parlé, voilà, juste à ce moment-là, et il avait dit à travers Pedro que oui, pour avancer avec Dieu, il faut savoir laisser les mauvaises choses, en fait. Mmh. Et tout de suite, ça m'a parlé par rapport à le copain avec qui j'étais. Du coup, je m'en suis séparée, et j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment te suivre, toi. Et au fur et à mesure, quand je voyais que les enseignements, c'était toujours la même chose répétitive, je me disais, mais... Je me lasse et tout ça. Et j'ai failli retomber dans l'impudicité, mais ce n'était pas vraiment concret, en fait. Mmh. Parce qu'il faut dire qu'à travers les messages, parce que j'ai rencontré justement un frère, et on parlait beaucoup, beaucoup par message, et ça consacrait des liens. Et j'étais là, oh Seigneur, je commence à avoir peur, en fait. Je me disais, l'amour que j'avais au début pour le Seigneur, j'ai commencé à le perdre. Je me disais, non, je ne veux pas... Il y avait ce partage-là. Je me disais, je me rapproche trop de cet homme-là, et l'amour que j'avais pour Dieu... Au tout début, j'ai trop peur de le perdre parce que je sais qu'à la fin, c'est le péché, c'est la mort spirituelle. Et du coup, on a commencé à faire un jeûne en début d'année de 12 jours. Et chaque jour représentait un mois de l'année qui arrivait, en fait. Mmh. Et Pedro avait dit qu'il fallait qu'on ait chaque jour une révélation du Seigneur, une phrase, et ça va correspondre au mois qui va correspondre, en fait. Wow. Et j'étais là, Seigneur... Tous les jours, je disais, j'ai vu la révélation et tout. J'ai prié, je dis, Seigneur, vraiment, dis-moi, c'est quoi le mot aujourd'hui pour le mois de mars? Vraiment et tout. Et parfois, je voyais qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ah. Et la première fois, le premier jour, il y a vraiment une parole, en fait. Et ça a été pour tout le jeûne, au final. Et une sœur qui m'appelle, je dis, oui, je n'ai pas trouvé la phrase et tout. Elle me dit, toi, il faut que tu retrouves le premier amour que tu avais pour le Seigneur. Et ça m'a fait chaud dans mon cœur. J'ai dit... Ah oui, c'est ça. Et après, les autres jours, je n'avais pas de révélation et tout. Et au fur et à mesure, ça m'ouvrait les yeux et me montrait en fait qu'il y avait des choses bizarres dans l'assemblée, en fait. Parce qu'on était très nombreux, c'était très m'as-tu vu, les enseignements, c'était la même chose. Nous, il fallait qu'on soit sur des talons, des machins. Et les plus belles, étaient devant sur le... Devant le pasteur, quoi. Voilà. Pour les handicapés au fond. Et du coup, je trouvais que ça c'était bizarre, l'argent, la dîme, c'est ma sœur qui a plus été touchée par ça, en fait. Mm-hmm. Avant qu'elle suive en fait, vos messages, elle commençait à être interpellée et tout. Et Dieu, en fait, pendant tout ce temps-là, on était interpellés. Dieu a permis qu'on rencontre en fait, un frère. Et ce frère-là, il s'appelle Jules. Mm-hmm. Et donc avec sa femme. Et au début, c'était vraiment pour le Seigneur. Mm-hmm. Il nous parlait vraiment pour le retour à la parole. Et du coup, Dieu a d'abord sorti ma sœur par rapport à son cœur. Mmh. Dieu avait vraiment parlé dans le cœur de ma sœur. Et du coup, bah, moi, je me suis retirée presque, oui, en même temps, on va dire. Mais au début, j'étais très... Ouais, mais moi, le Seigneur ne me parle pas quand même assez. Il y a le feu à Charisma quand même. Moi, j'ai besoin de ce feu. J'ai besoin de... Je ne vais pas être dans une assemblée, on est là. Oui, Seigneur. Hein. Et du coup, Jules nous avait montré, en fait, Église, où es-tu ? Mmh. Et quand j'ai regardé, j'ai fait waouh, c'est trop ça, c'est waouh, c'est. Et je faisais mes devoirs en même temps et en fait c'est comme si je faisais mes devoirs, mais je priais en même temps. J'étais là, mais j'écoute le message et c'était trop fort en fait. Et la parole, ça m'a vraiment touchée. J'ai dit mais c'est possible, c'est possible en fait que de pas être dans Charisma et puis qu'il y ait la présence de Dieu. Ah. Je dis mais
On pensait qu'il fallait la présence du Seigneur se trouver dans les bâtiments et être seul. Non, on ne pouvait pas la voir. Voilà. Et même si au début, quand je me suis convertie, il y avait vraiment la présence de Dieu dans ma chambre, je pense que c'était la rencontre vraiment avec le Seigneur. Et du coup, au début, on est sorti après de Charisma. Je suis partie avec ce frère Jules. Et c'était vraiment pour le Seigneur. Il y avait vraiment... Moi, déjà, j'avais un problème à Charisma, c'était la convoitise. Mais je cachais dans mon cœur. Je ne savais pas qu'il fallait confesser. Et je me souviens, le jour de mon baptême, il y a une voix qui me dit, tout ce que tu as fait là, qui est caché, tu vas devoir... Tout est mis à la lumière. Et toujours, j'avais ce passage. Et j'étais là, mais... Je suis partie voir une responsable, j'ai dit oui. J'ai dit par exemple du mal à ma sœur dans son dos et tout ça. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai pas confessé. Est-ce que c'est bon que je prenne le baptême comme ça? Et dans mon cœur, ça me disait non, c'est pas bon, il faut que tu confesses tout. Et la responsable, elle avait dit tu peux te faire baptiser, tu es une nouvelle créature. C'est bon. Et du coup, quand on est allé avec Jules, eh ben, il y a beaucoup de choses qui s'est passé en fait, parce que donc, le frère Jules qui était dans le réveil. Je commençais à aller chez lui pour prier, on se rassemblait et vraiment le Seigneur, il agissait beaucoup et dans le sens où vraiment c'était le retour à la parole. Et ma délivrance, en fait, je ne savais pas que j'étais possédée, mais il y avait une Jézabel qui était là. Et Dieu, un soir en fait, on était chez mes parents et Jules avait ramené un frère qui s'appelle Timothée, qui est dans l'assemblée de Massy. Et il partage la parole. Et arrivé à un moment donné, à la fin, il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des maris de nuit ?» J'ai dit « Mais j'ai entendu ça dans les réunions de réveil. Mais moi, je n'ai pas ça. » Dans ce que je disais dans mon cœur, je disais « Mais je n'ai pas de maris de nuit. » Puisque je sais qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans des rêves, mais je ne suis pas au contrôle. Et après, mon cœur commence à battre, à battre. Il répète, il dit « Est-ce que quelqu'un se voit avoir des rapports, en fait, pendant la nuit ?» Et là, je me dis « Oui, mais c'est ça, mais dans des rêves. » Du coup, j'ai levé la main. Et direct, il a prié pour moi. Je suis tombée par terre. Je commence à crier. Je dis, waouh, c'est quoi ça? Et ensuite, il chasse le mari de nuit. Après, il dit, sors, esprit de python. J'ai dit, c'est quoi ça encore? J'étais au sol et tout ça, mais j'étais consciente. En fait, je me disais, c'est quoi l'esprit de python? J'ai fait des recherches. J'ai vu, c'est Jézabel. Après, je vais voir Jules. J'ai dit, oui, vraiment, je veux que, vraiment, si vous pouvez prier pour moi et tout, parce que cette chose-là, elle est là. Après, sa femme, elle dit, mais non, regarde comment tu es, ton visage. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu es, enfin, en gros, il y a rien de qui est manifeste en fait. Mais tout c'était dans le cœur. Parce que je disais, mais dans mon cœur, je sais que parfois quand je chante, j'ai envie d'être vue. Enfin, c'est que des envies, mais dans mon cœur. Mais il y a rien de concret. Au final, ils ont prié pour moi un jour. Et vraiment là, cet esprit s'est manifesté. Et du coup, je comprenais pas que je pouvais contrôler en fait. C'est pas chaque fois on prie pour moi, je vais tomber par terre, tomber tout le temps, tout le temps. Je ne comprenais pas ça. Et on était partis, il y a un bon bout de temps, à une réunion. Et tu avais prié pour moi et tu avais dit que oui, l'amour du Père, en fait, c'est l'amour du Père qui va te guérir, qui va te délivrer. Et à la fin, je sors de là, je dis « Ah, je ne suis pas délivrée encore et tout. » Et après, je sens que, en fait, sur le trajet, je me suis endormie. Je me suis réveillée, il y avait l'amour du Père. Moi, j'étais tellement bien. Mais au final, il y a vraiment un lien qui s'est créé avec Jules parce que tout le temps, j'allais chez lui pour qu'on prie, en fait, pour moi. Et même si on priait que pour prier, pour la ville, eh ben, je finissais par tomber. En fait, je rentrais dans le jeu de l'ennemi, en fait, sans m'en rendre compte. Je m'en rendais compte, mais sans m'en rendre compte. Je tombais, du coup. Et vraiment, il y a des liens d'âme qui se sont créés. Mais d'un côté, j'essayais de m'accrocher au Seigneur. Je disais, mais vraiment, je veux prier pour les âmes dans la ville et tout, m'accrocher à toi. Et un jour, en fait, je suis retournée à une réunion de réveil. Et tu as dit... C'est pas normal qu'on prie toujours pour la même personne. Ça fait un an ta délivrance, elle est là. On prie toujours pour la même personne. C'est les mêmes personnes qui prient pour elle. Et la personne, elle tombe par terre tout le temps. Elle n'est jamais délivrée. Et je me suis sentie concernée. Et après, j'ai commencé. Parce que, y a en fait les liens là, qui se sont installés avec, avec Jules, c'est parce que j'ai commencé à l'appeler papa, en fait. À cause de l'amour, le manque d'amour par rapport à mon père que j'avais. Et j'ai commencé à l'appeler papa. Le Seigneur m'a interpellé que ce n'est pas bon, en fait, parce qu'il est écrit que... Effectivement. Y a le seul père qu'on a, oui, on a un père dans la chair, mais le papa céleste, c'est le Seigneur. C'est notre Dieu, ouais. Voilà. Amen. Et en fait, Dieu a commencé à me parler, et je commençais à prophétiser, tout ça, mais c'était vraiment de Dieu, je sentais, par rapport à la sainteté de Dieu, c'était trop fort, j'ai dit non. Et là, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Je vais voir Jules, je dis, bon, je ne peux pas t'appeler papa, parce que ce n'est pas bien, en fait. Il n'a pas compris.
il n'a pas compris. Au final, j'essayais de revenir parfois sur des petits points, mais c'était, voilà, ça passait pas. Et au final, donc, il y avait vraiment, en fait, cet esprit de Gisabelle avait vraiment été rentré par cette histoire de papa. Mm-hmm. Elle avait pris la domination au milieu de nous tous. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'il y avait un esprit de contrôle, en fait, au final, qui était sur nous. Mm-hmm. Et il y avait vraiment des... On se réunissait au début vraiment pour Dieu et c'était devenu charnel. J'étais tout le temps avec Jules, en fait. Même si c'était plus pour la parole, j'étais tout le temps avec lui. Mais il est marié ? Il est marié. Ouais. Il a des enfants. Et j'étais tout le temps avec lui, tout ça, pour faire des démarches pour des papiers, tout ça, et tout ça. Au final, j'ai remarqué que ma relation avec ma mère et tout, ça se dégradait complètement, en fait. Mmh. Et du coup, en fait, Dieu a commencé à me montrer que celui qui peut me délivrer, c'est lui-même, en fait. Il n'y a pas besoin d'imposition des mains, il n'y a pas besoin de tout ça. Et j'ai commencé... Et d'un sens, en fait, Jules m'encourageait pour... Jules et sa femme m'encourageaient pour aller à la parole, à la source. Et c'est vrai que je sentais aussi des choses qui bougeaient dans mon ventre. Beaucoup de choses comme ça. J'ai beaucoup dans les ressentis et tout. Et j'ai dit, bon, maintenant, je vais arrêter de me centrer sur ce que je ressens, mais je vais commencer à méditer la parole, parce que c'est vrai que je ne méditais pas vraiment la parole. Et après, le Seigneur a commencé à me révéler, vraiment par rapport à l'œuvre de la croix, j'ai dit ça, c'est trop fort. Et même parfois, j'étais dans ma chambre, et puis je méditais simplement et tout. Et puis je sens qu'il y a la présence de Dieu qui commence à venir. J'ai dit, mais ça, c'est que à Évry. Alors que tu es toute seule. Voilà, je suis toute seule. J'ai dit, mais par rapport à l'œuvre de la croix, il nous a arraché, en fait, il nous a arraché des ténèbres pour nous ramener, en fait, dans son royaume. Ah, au Papa Céleste. Non. Wow. Attends, j'essayais de comprendre, je disais, mais. Ça veut dire que le péché n'a plus de me dominer, en fait. C'est fini à cause de l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que je bénis Dieu vraiment pour les messages que Dieu te donne. Et parce que c'est vraiment ce qui m'a... Amen. Voilà. Et par rapport à la souffrance et tout, il y a quand même beaucoup de choses dans la parole. Et un jour, c'est vrai, j'étais dans ma chambre et je commençais à méditer. Et un jour, j'adore Dieu, je l'adore. Et puis... En fait, c'est comme si dans mon esprit s'ouvre, en fait, et je vois le Père, en fait, il se révèle comme mon époux. Je dis, ah, c'est trop fort, c'est... c'est comme si mon cœur, il veut aller vers lui, il veut le voir, il veut sauter vers le Père, je ne sais pas comment dire. Et le désirer ardemment, en fait. Et du coup, après avoir prié comme ça, je continue à prier dans ma chambre, je dis, il faut que je crie, Jésus est réel, il est vivant. Et je sors dehors, je commence à appeler Jules, je sentais une délivrance, c'est comme si mon esprit était supérieur, en fait. J'ai dit, waouh. J'appelle Jules, je dis, oh, le Seigneur m'a délivré, on dirait que le Seigneur m'a délivré. Et je pense qu'à plusieurs reprises, le Seigneur m'avait délivré, mais à cause de l'incrédulité, et ben, au final, j'ouvrais des portes, et j'étais plus délivrée, au final. Parce que ce jour-là, c'était tellement fort. Et souvent, je disais au Seigneur, bon, je vais dans les réunions de réveil, vraiment... Peut-être que mon époux va venir comme ça. Je ne sais pas, le frère Chouray va dire, il y a quelqu'un qui a tel esprit, ça va être moi. Mon époux va venir, va me délivrer comme ça et tout, Jésus. Et au final, en fait, c'est pas parce qu'on va dans une réunion de réveil, c'est pas la parole, juste la parole. Parfois, je médite, j'ai l'impression que la parole, ça sort, ça vient en moi, on dirait, ça me... Ouf. Et du coup, c'est vrai qu'après que le Seigneur m'ait visité comme ça dans ma chambre, j'étais... redevenu comme si j'avais les pieds sur terre. Je me disais, mais c'est pas normal, j'ai plus comme la présence de Dieu comme avant, voilà. Il y a un problème. Et déjà, il y avait ces liens par rapport à Jules qui faisaient que j'étais obligée de retourner, voilà. Enfin, comment dire, on n'est pas au ciel, on n'est pas arrivé encore, mais pour dire, faut marcher selon l'esprit. Et je suis partie voir Jules et sa femme, je dis, oui, par rapport à l'autre fois, je sens plus que je suis aussi proche de Dieu comme ça, on dirait que vraiment l'intimité. Il y a un problème, je sens que c'est plus comme avant. Après, il commençait à me parler, il me disait, celui que tu as vu, c'est pas Jésus. Parce que si tu avais vraiment vu Jésus, tu aurais été délivré. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincue que c'était le Seigneur. Et lui, il dit que c'est pas le Seigneur. Voilà, parce que j'étais pas délivrée encore, mais parce qu'à cause de l'incrédulité, il manquait d'enseignement, je pense. Et j'en ai toujours besoin là où je suis. Mais, et du coup, Dieu, en fait, a fait vraiment un nettoyage. Et... l'amie de ma sœur qui nous avait ramené à Charisma, elle est sortie, Dieu l'a sortie de Charisma. Et le 12, en fait, le 12 octobre, elle est venue. Et du coup, avec le frère Hugues, Audrey, tout ça, on s'est tous, ils sont réunis, en fait.
Et moi, j'avais à cœur vraiment de retourner vers eux. Je me disais, mais c'est bizarre. On est dans mon repas. Le Seigneur parle d'une église, il parle d'une assemblée dans une ville. Ce n'est pas l'église de telle rue, l'église de telle rue dans la même ville. Ce n'est pas normal. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de retourner vers eux. Et quand je suis, au final, retournée vers les gens de Chartres, tout ça, et ben, mais avec les personnes qui travaillaient sur mon repas, quand je suis retournée avec eux, le Seigneur a mis à cœur qu'il fallait que je confesse vraiment tout par rapport à Jules, parce qu'on a été vraiment très très proches en fait, très très proches. Et on était vraiment très proches, je pouvais m'asseoir sur ses genoux parfois, parce qu'il voulait, en fait, il voulait en fait que me consoler comme un père, mais au point de vue charnel. Et du coup... Et quand tu t'asseyais comme ça sur ses genoux, sa femme était là ? Non. Voilà. Et parfois, il pouvait me prendre dans ses bras et tout ça. Pour lui, il disait qu'il n'avait aucune pensée en fait. Mais moi, je me disais, c'était bizarre. Je disais, mais après, j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, et tout. Non, 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 c'est toi et tout, c'est toi. Et, mais pourtant, ce monsieur, il venait au programme parfois de réveil ? Oui, il venait. Vous voyez comment les gens, frères et sœurs, ils viennent soi-disant au programme de réveil, des rencontres, des séminaires que nous organisons. Ils attrapent parfois les âmes, les frères et sœurs, les faibles comme ça, comme des jeunes filles comme notre sœur. Et ils vont commencer à leur donner un autre message, un autre enseignement qui est contraire à la parole, contraire au message que nous prêchons, qui est l'évangile de Christ, de Jésus-Christ. Et en même temps, ces hommes se font passer, ou des femmes hein, aussi, se font passer pour nos collaborateurs. Alors vous comprendrez, vous comprenez aussi pourquoi nous avons mis sur notre site, sur ce slide, hein, un slide, c'est-à-dire une petite affiche, où nous disons justement qu'il faudrait faire attention parce qu'il y a beaucoup de loups qui vont ici et là et se faisant passer pour nos collaborateurs et qui vont demander l'argent aux frères et sœurs, qui vont caresser les jeunes filles comme notre sœur. Comment un homme qui se dit chrétien peut demander à une jeune sœur, à une femme, qu'elle soit jeune ou âgée, de s'asseoir sur ses genoux, sur ses cuisses, la caresser, la prendre dans ses bras et pour justement lui communiquer l'amour du Père. Nous dénonçons depuis des années cette pratique, cette doctrine qui veut que des chrétiens soient nos fils ou nos filles spirituelles. Si vous avez un pasteur qui vous appelle, oui, mes filles, papa, c'est votre papa, faites attention, évitez cette relation-là, parce qu'elle finit par vous écraser, hein, par créer une dépendance de la personne malade ou ignorante vis-à-vis du dirigeant, du pasteur, apôtre, prophète. Vous voyez, et notre sœur qui a eu des problèmes avec son père, peut-être biologique, qui ne voit pas assez son père biologique, qui au lieu que cet homme, ce frère qui prêche soi-disant la vérité, l'encourage à aller vers Dieu pour avoir ses relations personnelles avec le Seigneur, il l'amène à s'attacher à lui. La sœur est visitée par le Seigneur chez elle. Dieu l'a visité personnellement et on lui dit non, ce n'était pas le Seigneur. Vous voyez mes amis, c'est pour cela un chrétien, vous avez été libéré par ce message, par le Seigneur. Et je le dis depuis des années, mon combat personnel, je parle d'abord de mes propres combats, vous savez que tous ces combats-là sont liés à ce message que nous apportons pour que vous soyez libres, dépendants du Seigneur. Et toute personne qui se réclame du Seigneur ou qui vient vous voir pour dire qu'on travaille ensemble, si vous commencez à constater des comportements inappropriés, hein, anti-bibliques, n'hésitez pas aussi de dire la vérité à cette personne-là. Et si vous avez la possibilité de nous en parler, parce que nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas tout, nous n'entendons pas tout, nous ne voyons pas tout. Parfois, des chrétiens ont du mal à nous en parler, à nous parler de ces choses, parce qu'ils se disent, peut-être que nous sommes comme ces gens, ou peut-être que nous allons les couvrir, ou peut-être parce qu'on ne va pas les croire. Dites, partagez. Vous voyez comment nous sommes combattus, comment nous sommes rejetés, à cause de cette position que nous prenons pour l'évangile. Donc, c'est vraiment, mes amis, dramatique. C'est de l'abus de pouvoir. Hein, de prendre une jeune fille comme ça, de la mener partout, sachant qu'elle est fragile hein, sur le plan émotionnel, et, parce qu'elle a besoin de l'amour du Père, la prendre pour aller faire des démarches administratives, tout ça. Mais on n'a pas été établi pour cela. On n'a pas été établi pour cela. Donc, elle a été violée. Ça, c'est du viol.
elle, on a violé, ce monsieur a violé son intimité. Et ça venait au programme ici à Évry. Ça venait, mais il y a beaucoup de cas, il y a des cas comme ça qu'on entend ici et là. Des gens qui prennent nos logos. On a dû interpeller une famille qui a pris nos logos, les logos de TV de vie, tout, et jusqu'à aller prendre même le titre de l'émission que Dieu me fait animer depuis quelques temps, La Dernière Trompette. Mais vous vous rendez compte? Ensuite, on va associer nos vidéos avec des vidéos des gens que nous dénonçons et on va nous mélanger avec n'importe quoi. Nous ne voulons pas de toutes ces choses-là. Et c'est vraiment, je crois que ce monsieur, donc Hugues tout à l'heure, qui s'appelle Hugues, je crois, voilà, c'est pas toi, donc comment il s'appelle déjà? Jules, pardon. Jules. Je crois qu'à la fin de l'émission, on va pouvoir avoir ses coordonnées parce que j'aimerais quand même personnellement l'appeler ou les frères. Non, il doit se repentir. Ça, c'est, il est dans l'adultère, ça, c'est clair. Hein? Il est marié en plus de cela. Donc, et ça sort de charisme et ça produit autre chose dans les maisons. Voyez, et on va dire, voyez, nous sommes une église dans une maison, et ben, nous sommes dans le message, tout ça. Et derrière, ça couche avec des femmes, ça prend l'argent des gens, et ça travaille avec Benny Hinn, ça travaille avec n'importe quoi. On le voit sur anselmoine.com, tout. C'est la confusion totale, la confusion. Ils repartent dans tout ce qu'ils ont vomi. On le voit sur les affiches, on le voit sur. Voilà. Donc, mes amis, et vraiment là, c'est moi, c'est des choses qui me poussent encore à aller crier. Et avec les frères aussi qui sont avec nous, les frères et sœurs. Ludo, tu entends un peu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est... Bon, j'allais dire, si tu m'avais fait intervenir avant l'intervention de ma soeur, j'aurais dit je suis un homme heureux. Mais là, effectivement, ça gâche un peu ma joie parce que... combien ce message est précieux au point où l'homme n'a pas à y faire dans cette histoire. Et je crois qu'il y a un ministère, bon, c'est plus le mot qu'on utilise aujourd'hui, mais plutôt service, mais bon, comprenez ce que je veux dire, qu'on doit remettre à l'ordre du jour, c'est celui de l'effacement. Et qu'un homme ou une femme de Dieu est celui ou celle qui s'efface au profit de la parole de Dieu pour que la personne soit totalement libérée. Et je crois que c'est pour ça que Jacques dit qu'il y en ait peu qui soient promptes à enseigner, parce qu'on devra rendre compte de ces âmes fragiles qui viennent devant des hommes et des femmes qui sont censés avoir la maturité spirituelle pour enseigner et qui les font retourner à nouveau dans des prisons. Alors, ce n'est plus des églises, enfin, des assemblées composées de pierres et de briques, mais c'est plus grave que ça. C'est des âmes humaines. Il y a des liens d'âmes qui se créent. Et là, c'est une voie directement pour l'enfer. Et je crois que moi, ça me fait trembler d'autant plus qu'on a entendu de beaux témoignages, des choses merveilleuses. Et quand à chaque fois, c'est gâché par des interventions parce que l'homme est un prédateur, c'est pas pour rien qu'on utilise le terme de loup, c'est un prédateur. Le loup, il a cette particularité de chercher sa proie. Et le loup, il va pas venir avec un vêtement de loup, justement, mais avec un vêtement de brebis. Et c'est comme ça qu'il va dévorer les âmes. Et derrière cela, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est Satan en personne. Derrière ça, ce n'est pas des hommes qui agissent, c'est Satan. Et je crois qu'il faut vraiment, effectivement, le fait de dénoncer les choses, c'est de mettre à la lumière ce qui est caché, ce qui se fait en coulisses, au travers de, soi-disant, ce message qu'on utilise à tort. C'est que derrière, c'est Satan qui est là. Et finir là-dessus pour moi, mais quelque chose qui m'a interpellé, que le Seigneur m'a montré très rapidement, tu sais, c'est dans Genèse 14, tu as une vision particulière, Genèse 14 et 15, c'est, tu sais, quand Abraham, il libère Lot, et puis tu as une vision qui m'a toujours surprise, et encore aujourd'hui, je la comprends, mais ça doit être spécial. C'est que tu as le roi de Sodome qui est là, qui se tient à côté d'Abraham, et tu as Melchizedek qui arrive. Et tu as le roi de Sodome qui lui dit, écoute, donne-moi les âmes, et en retour, je te donne de l'argent. Et dans la même scène, tu as Melchizedek, qui est Christ, évidemment, hein, codé, mais qui est là, et avec qui Abraham partage le pain et le vin. Et ce qui est formidable avec Abraham, c'est que lui, il ne cède pas à la proposition du roi de Sodome, qui dans cette situation-là est un type de Satan en fait. Mais il voit une préfiguration de la croix, le pain et le vin.
Et les pasteurs ont échoué là où Abraham a réussi le test. C'est qu'ils ont donné les âmes à Satan en les captivant par de la rhétorique, par de la religion, par des assemblées, et ils ont perdu le message de la croix. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, c'est qu'aujourd'hui, nous devons revenir au message de la croix, justement, tu en parlais, parce que si on en arrive à porter une jeune femme sur les genoux, c'est que là, la croix n'y est plus du tout. Et c'est exactement ce que le roi de Sodome a proposé à Abraham. Donne-moi les âmes et je t'enrichirai. Donne-les-moi ces âmes dans ces assemblées. Prêche la dîme. Rends les captives à ta parole, à l'homme. Montre-leur que c'est toi le papa. Et en retour, je vais t'enrichir. Ça peut être financièrement, ça peut être sexuellement. Ça peut être dans plein d'autres domaines. Et face à cela, n'oublions pas que dans chaque dispensation, il y a un test. Et dans la dispensation de la grâce, le test, c'est la croix. Vas-tu, oui ou non, prendre la croix pour toi-même? Ou vas-tu céder au message du roi de Sodome, c'est de rendre captives les âmes et pour t'enrichir toi-même? Le test, il est là. Et je crois que malheureusement, beaucoup d'hommes, certainement au départ appelés de Dieu, ratent ce test. Et il faut revenir à ce message-là, effectivement, de la croix. Parce que quand on entend ces beaux témoignages, on dit, c'est quand même merveilleux, quoi. Et c'est dommage qu'il y ait des tels hommes qui gâchent toutes ces belles âmes qui veulent vraiment venir au Seigneur. Surtout que ce qui est quand même assez étonnant, c'est que c'est des personnes, comme la sœur disait, cet individu qui est venu pendant quelques mois aux enseignements qu'on a apportés ici à Évry, avec tout ce temps de visitation du Seigneur, où on a martelé aux frères et sœurs d'aller vers le Seigneur. Et à la fin de ce programme, donc ce programme de réveil, on a d'ailleurs, si on a arrêté ces réunions, c'est pour montrer aux frères et sœurs qu'ils doivent chacun, n'est-ce pas, développer sa relation avec le Seigneur. Et puis tac, ben, une fois que les réunions finissent, ben, tac, les gens cherchent maintenant des victimes, hein, donc pour s'accaparer de ses frères et sœurs. Et c'est vraiment, honnêtement, mais je bénis Dieu parce que c'est complémentaire dans le sens où on voit l'œuvre que le Seigneur fait. Ici, elle avec les deux premiers témoignages, hein, des deux sœurs. Et ensuite, avec ce témoignage, on voit aussi l'œuvre que le Seigneur fait au travers de la délivrance de la sœur des griffes, hein, donc de ce loup. Et ça, c'est magnifique. Je crois que c'est ça l'évangile. Donc, c'est cette diversité. Donc voilà, c'est ça qui est magnifique. Donc on voit vraiment que c'est le plein évangile. C'est-à-dire, certains sont encouragés par les témoignages des deux premières sœurs. Et puis d'autres sont encouragés aussi par ce témoignage parce qu'elles réalisent que celles qui sont en tout cas entre les mains de ces bishops, ces voleurs, vont être délivrées. Elles vont comprendre qu'elles n'ont pas à aller appeler ces hommes papa, papa, papa. Elles n'ont pas à aller s'asseoir sur leurs genoux. Donc et nous bénissons vraiment le Seigneur, frères et sœurs, pour tout ce travail que le Seigneur opère ici et là. En tout cas, que le Seigneur nous garde.